Allez, on va partir pour le dernier huitième de finale de ce tournoi. C'est du direct, hein, puisqu'ils ont lancé la partie il y a quelques minutes. Et on est parti du coup. Donc ça oppose Starco en soviet contre Jojo qui sera OKW. On va désactiver le brouillard de guerre. Tac. Donc Jojo qui est au sud de la map et Starco qui est au nord. Je montre vite fait les commandants, mais on fera attention à ce qui va être choisi. Hein. Tac. Ah, Luftwaffe, stratégie de surveillance et grande offensive. Alors, on part sur deux génies du côté de Starco. Et on part sur du pseudo classique avec une Kubble du côté de Jojo. Et la map, je l'ai pas annoncé, mais c'est traversée de la forêt, je crois, le nom en français. Bon, ça va caper gentiment. Donc la Kubble qui sort. Starco qui est parti sur un T1 avec bâtiment disciplinaire pour sa première section. C'est intéressant d'avoir fait les deux génies pour Starco parce que le T1 est assez long à sortir et le fait de faire deux génies, il va pouvoir quand même caper un petit peu les territoires. Sinon, c'est compliqué. Jojo qui est parti directement sur le Carbu. Par contre, il va devoir relier un peu ses territoires. Je sais pas pourquoi il part sur l'étoile. Peut-être que la Kubble, non, elle part sur la gauche. Ok, il va avoir le Carbu, mais il sera pas relié. Les bataillons sont sortis. On va peut-être avoir une première confrontation entre les Volks et les génies. Bon, les génies qui repartent, hein. C'est peine perdue. Salut à ceux qui arrivent sur le stream. Ouais, il a le carbu, mais il n'est pas relié hein, pour le moment. On a les véhicules de reconnaissance, vulgarisé un clown car. Petite pression des vols grenadiers. Elle va venir oppresser les Volks. Voilà, ils poussent pour sortir du cover. Et du coup, les Volks qui prennent beaucoup plus de dégâts. Hein. Voilà. Du coup, ils forcent le back. De l'autre côté, la Kubble qui capte. On va voir les bataillons disciplinaires qui vont venir empêcher tout ça. Hop, voilà, la Kubble qui va repartir. Alors là, du coup, comme elle prend beaucoup plus de dégâts, voilà la clone car qui va finir la Kubble. Allez, première perte du côté de Jojo. Les chambres qui sont de l'autre côté de la map, il va enfin pouvoir relier son territoire. Il a fait un Raketen, ok. Pour pouvoir gérer cette clone car, je pense qu'il en a peur un petit peu. Si on a. Oh! Direct, dynamite. On en impose direct dès le départ du côté de Starco. Les Sturm qui vont venir sur le cut-off, mais comme Starco a pris l'autre côté de la map, ça va pas faire grand-chose. Les Sturm qui vont devoir back, hein. Ils peuvent pas rivaliser. Hop, Rakuten qui est là. Voilà. Et bim, les Sturm en moins. Première détonation. Ça commence fort dans ce match. Donc on a deux bataillons disciplinaires hein, pour Starco. Il va contester un petit peu le VP. Il est parti de l'autre côté de la map pour caper le fuel. Les bâtons disciplinaires qui vont pourchasser le Raketen. Du coup, il a l'information qu'il y a un Raketen, ce qui va le faire jouer un petit peu plus en sécurité avec son véhicule de reconnaissance. Éviter de foncer dans le tas.
Là par contre, ouais, il devrait s'arrêter quand même. Ouh, petite grenade incendiaire. Bon, il force le bac. Il va essayer de rentrer dans le bâtiment, mais... Voilà, c'est pour faire perdre un peu de temps. Une deuxième grenade incendiaire. Du coup, on a des munitions dépensées de la part de Jojo. Hein. On a 2x30 de munitions. Les potes disciplinaires qui vont réussir à back. Une déto directement sur le point d'essence. Et là, on a un petit avantage quand même dès le départ au niveau du map control de la part du joueur bleu, Starco. Troupe de choc. Donc on est parti sur le commandant armé de choc que vous voyez là. Troupe de choc qui sont très très forts. Hop. Il va mettre un gros là sur toute l'infanterie et on peut voir déjà côté pop on est à 30 sur 27 mais si on voit le nombre de sections. Hop. Encore 30 de munitions dépensées. Là il va même pouvoir chasser la deuxième troupe. Oh. Ouais, elle était bien anticipée la grenade. Voilà. On a les Volks à gauche. Il recap avec ses génies de l'autre côté. Et il y a eu la pharma de fête hein, de la part de Starco. Le véhicule de reconnaissance. Où il est au milieu de la map. Il n'y a pas eu d'amélioration de flammeur pour l'instant. Là on voit un plus 36 de carbu du côté de Starco, contre seulement 16. Je pense qu'on va avoir le droit à pas mal de tech. Les bataillons disciplinaires qui vont prendre en chasse les Volks. Ici les troupes de choc qui interceptent les Volks grenadiers qui peuvent y passer. Non, ça va, il y a eu réaction assez rapidement et le drame ne sera pas présent. Hop. Ah, pas mal, juste à la sortie. Trois modèles en moins. Bon. Starco qui a le map control hein, maintenant, 3 étoiles, les 2 carbus. Il a l'avantage au niveau de la pop. Alors, on va voir quelle solution va apporter à Jojo pour essayer de revenir dans la partie. On va avoir un aftrack de sortie. Peut-être que Starco va lancer son T3. Il a largement les ressources pour. On va voir. Ouais, c'est le T3. T3, certainement un T70 ou peut-être un SU, je ne sais pas, pour gérer le half-track. Hop. Mine qui ne sera pas posée. Il faut que... Du coup, Jojo, pour essayer de se refaire un petit peu. Ah, on va avoir des PTRS. Vont être forcés de back, ouais. C'était la mauvaise opération. Peut-être ça aurait pu être une bonne idée, mais ce n'est pas passé. Donc oui, je disais, Jojo, maintenant il faut qu'il joue défensif, qu'il arrive à essayer de sécuriser une partie de map, au moins une étoile, au moins un carbu, ses munitions, et qu'il reste défensif à essayer de faire des batailles 50-50 pour essayer de revenir dans la partie. Au niveau de son commandant, il est parti sur Luftwaffe avec les Falching. Ça peut lui donner une bonne alternative pour gérer l'infanterie des troupes de choc du soviet. On va voir comment il va capitaliser sur le commandant. L'Aftrak qui revient. J'espère qu'on m'entend bien. Au moins, c'est un stream un petit peu à l'arraché. Hein. J'ai rien testé. C'est juste pour donner au moins un visuel du dernier 8ème de finale. Là il a récupéré la carcasse. Il reprend l'étoile à gauche avec les premiers Falching aéroportés. Alors, est-ce que ça va péter? Est-ce que...
Aïe! Bon, une sec sur moi. Ah. Ça c'est fait. Ça coûte cher. Hein. Hop, la grenade là qui peut faire mal. Ah! Allez, si il termine la troupe de choc, ça peut être bien. Dommage. Là, il va repartir. Il va aller prendre le carbu à gauche. Il a refait un véhicule de Rocco, ok. Je ne sais pas si c'était bien utile, mais... Il redrop des Folching. Ah, depuis le patch du coup, les Folching n'ont plus de Faust. Hein. Oh, la grenade, pourquoi pas, ça peut détruire le véhicule. Ouais, ça le détruit pas, mais ça lui fait quand même beaucoup de dégâts. Par contre, il va la perdre. Ici, il va peut-être... Oui, il va réussir à avoir les génies. J'espère qu'il va pas la perdre, mais à mon avis... Ah... La grenade, c'était une bonne idée, hein. Mais ça tue pas le véhicule. Ah, depuis le dernier patch, du coup, on a plus de Faust avec les Folching. Par contre, Jojo a réussi à avoir une moitié de map. C'est au moins une étoile, ça évite que les VP descendent de trop. Au moins le carbu, il va pouvoir taker un petit peu. Ici, on a les Falching qui essayent de titiller les bataillons, mais 6 contre 3, c'est peine perdue pour ce combat-là. Hop, il perd un bonhomme. Là, il va peut-être essayer de reprendre l'étoile. Voilà, on a le point à droite. On soigne tout à la base, côté Starco. Et du coup, on a fait un T4, j'avais oublié de l'annoncer, avec du coup un T34. Et je ne sais pas comment Jojo va pouvoir le gérer. Il a un Raketen, ça me paraît un peu léger. Il a pas beaucoup de munitions parce qu'il a utilisé des grenades incendiaires et même des grenades contre la voiture. Donc il a peu de munitions. On va voir comment il va réussir à gérer. Il a pas refait de storm, donc il peut pas réparer son half-track. Ah. Ouais, là le half-track, il va se prendre. C'est du beau jeu. C'est verrouillé. Oh, faudrait qu'il le recule. Ah bah sauter aussi. Non, ça va. Ok. Belle action. On a le T34 qui sort. Oui, combat tout, c'est le premier match. Les vols qui vont être chassés par le T34 ici. Et c'est la fin de ce premier match. Bon, on a vu que Jojo est parti sur... Enfin, je veux dire, il a eu un mauvais start. Et ça l'a un petit peu mis au fond pour cette première partie. On va voir s'il arrive un petit peu à renverser la tendance pour le reverse de ce match, où il passera du coup allié et Starco en axe. Allez. Ah oui, j'ai pas fait un point sur les stats des troupes, mais on peut regarder un petit peu les stats. Donc on voit que le nombre de tués perte est à l'avantage de Starco, hein, forcément. Les troupes de choc, à peine sortis, ils ont fait autant de dégâts que... Enfin, presque autant de dégâts que les bataillons disciplinaires contre l'infanterie. Plutôt bien géré de la part de Starco, hein, sur cette première partie. Hop.